Et ce sondage révèle aussi l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. Les sceptiques et les inquiets sont encore trop nombreux, ils sont même majoritaires dans quelques pays. Les craintes sont fortes, notamment en ce qui concerne les risques liés à la conversion des monnaies. Dans plusieurs États membres, le souvenir des réformes monétaires passées est synonyme de spoliation des épargnants. Attendez, parce que monsieur, là, vous voyez, madame, elle va vous scanneriser, là. Le principe est le suivant. Dans le jeu... Voilà, donc madame me rend sur ma monnaie de 10 francs. C'est l'euro concerne tout le monde. L'euro verra le jour le 1er janvier 1999 et on aura les pièces et les billets le 1er janvier 2002. Donc il faut préparer les citoyens, il faut faciliter leur acceptabilité de cette nouvelle monnaie, de cette monnaie européenne. Pour ce faire, nous devons mener une campagne décentralisée. Il ne s'agit pas de faire de la propagande de la part de la Commission, il s'agit d'apporter, sous la responsabilité des États membres, l'information là où les citoyens s'attendent à la trouver. Chegamos à hora, o que eu estou a ver é que não, mas a pontualidade aqui.